Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem, mais aujourd'hui on va parler de la fibromyalgie. C'est un gros morceau sur lequel on s'attaque aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très demandé. Je l'ai vu régulièrement dans les commentaires. Beaucoup de gens ont des questions sur le sujet, attendent des réponses, mais c'est pas si simple que ça. Vous allez le comprendre, la fibromyalgie, c'est compliqué. Du coup, il m'a fallu un petit peu de temps pour me décider à mettre dessus. Contrairement à d'habitude où en général c'est assez improvisé, fluide les vidéos, bon, je me suis permis, et vous m'excusez d'avance, d'avoir 2-3 petits supports devant moi que je regarderai de temps en temps peut-être dans la vidéo pour vous donner des petites infos supplémentaires. En tout cas, la fibromyalgie, vous allez voir dans la vidéo, s'exprime de manière différente selon les gens. Si vous êtes atteint de ce problème de santé, je vous invite peut-être en commentaire à décrire de quelle manière cela se présente chez vous, quels sont un petit peu vos symptômes. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'échanges en général sous mes vidéos, sous les commentaires. Et donc, si moi, je peux vous apporter quelque chose au travers de ce que je vous donne comme information, je sais que vous aussi, dans les commentaires, vous permettez parfois de vous échanger et d'apporter certains éléments de réponse. Donc, vous pouvez parler évidemment des symptômes, mais aussi par la suite, des choses que vous mettez en place, des traitements, parce que c'est ce sur quoi on va aussi s'arrêter dans ces vidéos. Alors, à la question, peut-on guérir de la fibromyalgie? Je réponds tout de suite, je ne sais pas. Par contre, à la question, peut-on soulager la fibromyalgie? Je réponds oui, et c'est ce sur quoi on va s'arrêter dans cette vidéo. Pas tout de suite, parce que forcément, au début, il faut expliquer c'est quoi la fibromyalgie. Tout le monde ne connaît pas, c'est important de comprendre ce que c'est, comment ça s'exprime, quelles sont les potentielles causes, justement, de cette maladie, et finalement, de quelle manière on peut la soulager. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Qu'est-ce que la fibromyalgie? Alors, la fibromyalgie est un syndrome douloureux chronique. C'est une des principales causes de syndrome douloureux chronique. Hein, c'est-à-dire, de toute manière, je ne pense pas que j'ai besoin de traduire, vous avez compris. Donc, un problème de santé qui fait que vous avez mal de manière pérenne dans le temps, très souvent, pendant plusieurs mois, voire années. Et c'est une des principales causes, voilà, de cette situation. Avoir mal partout, ça concerne 2 à 4% de la population, donc c'est quand même pas rien, avec une prédominance quand même très nette chez les femmes. On est à peu près à 6 à 7 femmes pour un homme. Donc vous voyez, on est vraiment sur quand même quelque chose de plutôt féminin, mais voilà, tout existe. On a aussi des situations qui existent chez les hommes. Donc, comme je le dis, voilà, c'est quelque chose quand même de pas rare, d'assez fréquent, très rencontré justement en médecine générale, mais aussi avec beaucoup, on va dire, de nomadisme médical. Les gens qui sont un petit peu en difficulté, qui ne savent pas quoi faire, qui traînent ça depuis longtemps, peu soulagés par les traitements habituels, et avec souvent aussi des examens qui se répètent, à la recherche peut-être de quelque chose. Mais finalement, vous allez le comprendre, il n'y a pas de quelque chose derrière, la fibromyalgie étant une entité à part entière, et peut-être que dans les années qui viennent, etc., on dira c'est exactement à cause de ça que la fibromyalgie est là. En tout cas, aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer les causes de la maladie. Je vais les évoquer, mais vous allez voir, c'est pas très simple. Du coup, comme je disais, la fibromyalgie, c'est un problème de douleur chronique dans le temps qui s'installe et qui dure pendant des mois. D'accord? Et du coup, de quelle manière vont se manifester un petit peu ces douleurs? Eh bien, c'est des douleurs diffuses, intermittentes, hein, qui viennent, qui partent, à prédominance, on va dire, axiale, c'est-à-dire le long du dos, de la colonne vertébrale, partant de la nuque, entre les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, au niveau des fesses, mais évidemment avec des douleurs qui peuvent être un petit peu partout, qui sont très invalidantes, avec parfois cette sensation de verrouillage le matin, qui est quand même caractéristique, qui est assez fréquente, de se réveiller en étant bloqué. Donc, vous voyez, donc ces symptômes s'installent dans le temps, et on parle de syndrome dysfonctionnel. Je ne dis pas de bêtises, oui, trouble fonctionnel. Syndrome dysfonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'en fait, on a effectivement des symptômes qui sont décrits, qui sont ressentis, et du coup, quand on recherche une cause à ces symptômes, eh bien, on ne trouve pas quelque chose visuellement. C'est-à-dire qu'il y a plein de maladies, je ne sais pas, vous allez faire de la fièvre, vous toussez beaucoup. Prenons un exemple au hasard. On fait une radio, on voit que vous avez une infection pulmonaire, on comprend un petit peu les symptômes. Là, vous avez des douleurs, elles sont présentes, vous les ressentez, elles sont invalidantes, elles vous gênent dans la vie de tous les jours.
Et cependant, malgré les examens, examen sur examen, on ne trouve rien et on n'explique pas les symptômes. Ça, c'est ce qu'on appelle les syndromes dysfonctionnels. Est-ce qu'il y en a d'autres à part la fibromyalgie? Il y en a d'autres. Par exemple, on peut parler du côlon irritable, du syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Je pourrais en faire une vidéo à part entière si vous voulez. Aujourd'hui, on s'arrête sur la fibromyalgie. Et donc, comment faire le diagnostic de cette maladie? Je vous ai dit, il n'y a pas d'examen. Alors déjà, la première chose à prendre en compte, c'est la réalité des douleurs. Donc effectivement, on peut être désarmé en tant que médecin, soignant, face à quelqu'un qui présente des symptômes qu'on n'explique pas. Mais voilà, savoir entendre qu'effectivement la douleur est vraiment présente. Deuxièmement, comme n'importe quelle maladie, on part sur une vraie démarche diagnostique. On essaye de comprendre et du coup, on va faire des examens pour éliminer un petit peu les causes possibles de ce problème et éliminer voilà, d'autres diagnostics. Une fois qu'on fait un certain nombre d'examens et qu'on ne trouve rien de spécial, il faut quand même avoir cette alliance entre médecin et patient pour se dire il est inutile d'aller beaucoup plus loin dans les démarches diagnostiques au risque de surenchérir, de rien trouver finalement et de tout le temps être dans cette quête d'une réponse qui n'existe peut-être pas et d'augmenter justement les inquiétudes, le stress, l'angoisse qui vont au final majorer les douleurs parce qu'on sait que la douleur a une grande composante psychologique. Et si vous n'êtes pas bien, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, les douleurs qui sont déjà présentes de base vont être augmentées. Donc, à partir du moment où on se met d'accord qu'on a fait pas mal d'examens, qu'on a éliminé quand même les grosses urgences ou les gros diagnostics méchants, et que finalement, on n'a pas d'explication, que le phénomène est présent, qu'il dure, on peut, voilà, se mettre d'accord pour dire que ça ne sert à rien forcément d'aller plus loin et que nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est comment soigner cette maladie, comment soulager et faire en sorte de vivre mieux. Donc après, pour ce qui est du diagnostic dont je vous ai dit, évidemment, on fait les examens, on élimine certaines choses et après, bon, il faut rester clinique dans le sens où je vous ai dit, voilà, on a des douleurs assez typiques, etc. Donc là, j'ai sorti un questionnaire. Donc, je vais vous le lire rapidement. Questionnaire FIRST. Voilà. Fibromyalgia Rapid Screening Tool. Donc, il y a 6 items. Donc, 6 questions. Je vais vous les poser. Vous allez répondre. Et en gros, une réponse positive à 5 items sur 6 permet de retenir le diagnostic de fibromyalgie avec une bonne, ce qu'on appelle sensibilité et spécificité. C'est-à-dire que c'est plutôt un bon test. Voilà. À partir du moment où on a éliminé les diagnostics différentiels, etc., eh bien, on va poser quelques questions. Première question. Mes douleurs sont localisées partout dans mon corps. Bon, c'est quand même une des caractéristiques principales. Donc, oui ou non. Mes douleurs s'accompagnent d'une fatigue générale permanente. C'est important parce que je n'ai pas parlé des symptômes associés encore sur lesquels je reviens juste après. Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges électriques ou des crampes. Ok, voilà. Mes douleurs s'accompagnent d'autres sensations anormales, comme des fourmillements, des picotements ou des sensations d'engourdissement dans tout mon corps. Voilà, pas besoin de traduire les mots, hein, je pense que vous avez tout compris. Mes douleurs s'accompagnent d'autres problèmes de santé, comme des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, des maux de tête ou des impatiences dans les jambes. Voilà, on est sur la 5e question. On n'est pas forcément obligé d'avoir oui à tout. Hein, je vous ai dit qu'il faut 5 sur 6. Et mes douleurs ont un retentissement important dans ma vie, voilà, c'est le problème, en particulier sur mon sommeil, ma capacité à me concentrer avec une impression de fonctionner au ralenti. Voilà les questions de ce questionnaire et on juge qu'avec 5 réponses positives sur 6, au vu des examens qui ont été réalisés, qui s'avèrent négatifs pour voilà, d'autres problèmes de santé, et bien avec aussi la durée d'entente de l'histoire, on est devant un diagnostic de symptômes de fibromyalgie. Je parlais tout à l'heure des symptômes associés. La fibromyalgie est souvent associée du coup à d'autres symptômes que les problèmes de douleur. Alors, bon, j'ai pris quelques notes. Je m'excuse, je vous ai dit que c'est un sujet un petit peu complexe. Donc, la fatigue, là, c'est ce qu'on appelle en médecine l'asthénie, la grosse fatigue, mais vraiment celle qui vous casse, donc très présente, hein, souvent chez les patients atteints de fibromyalgie. Les troubles du sommeil,
important à noter. De toute façon, on l'a évoqué un petit peu dans le questionnaire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le dérouillage matinal, donc ça, j'en avais parlé tout à l'heure, avec cette sensation vraiment d'être bloqué le matin, avec il faut un certain temps pour justement se décrisper. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres maladies rhumatismales, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde et tout. Donc c'est important aussi, comme je vous ai dit, de faire des examens pour éliminer des diagnostics de maladies, qu'on va dire, purement somatiques, c'est-à-dire on sait exactement le mécanisme, l'endroit, les traitements, etc. Pourquoi passer à côté, d'accord? Mais bon, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, dérouillage matinal, les migraines, ou ce qu'on appelle les céphalées de tension, pour faire le distinguo entre les deux, je ne reviens pas dessus. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir. Si je n'oublie pas, je mettrai la fiche. Sinon, bah, vous tapez mon nom et vous tapez migraine, céphalée de tension sur YouTube et vous trouverez la vidéo qui vous permettra de faire le distinguo entre les deux. Mais en tout cas, que ce soit migraine ou céphalée de tension, on peut retrouver ces symptômes qui sont quand même assez présents chez les patients fibromyalgiques. Tout ce qui est troubles digestifs, donc ça va rejoindre aussi les symptômes digestifs qu'on va retrouver dans les colopathies fonctionnelles. Et puis après, on a d'autres choses, comme par exemple chez les femmes, les problèmes liés aux règles, avec les grosses douleurs de règles, des problèmes aussi pour tout ce qui est urine, avec tout le temps cette envie de faire pipi, des troubles de la concentration, mémoire, vertige. Vous voyez, il y a pas mal aussi d'autres symptômes qui peuvent rejoindre le gros de la maladie, qui est la douleur. Et à côté de ça, la fibromyalgie peut être aussi associée à d'autres maladies à d'autres maladies tout simplement, comme certaines maladies inflammatoires, certaines maladies comme le lupus, certaines maladies comme des rhumatismes inflammatoires comme la spondylarthrite. Enfin bref, ça peut venir se surajouter. Ok? Donc là, vous avez, parce que si je refais le point un petit peu sur ce que j'ai résumé, la fibromyalgie, c'est quoi? Finalement, quels sont les symptômes? Quels sont les symptômes secondaires? Comment on va faire le diagnostic? Comment ça se présente? Quelque chose d'important, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi la fibromyalgie? Pourquoi la fibromyalgie? Donc, la réponse n'est pas encore connue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, et ça, l'expérience aussi me le fait dire, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est qu'on a quand même souvent aussi un terrain psychologique. Et en fait, on n'est pas sur une maladie qui a une cause, on va dire, linéaire. L'exemple typique, cause linéaire, vous attrapez un microbe, vous avez une infection. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plus compliqué. On est plus sur ce qu'on appelle une causalité circulaire. Il va y avoir, par exemple, des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants et des facteurs un peu d'entretien. Facteurs prédisposants, qu'est-ce que ça peut être? Des traumatismes peut-être dans l'enfance, peut-être une dépression, quelque chose comme ça de l'ordre du psychologique. Un événement précipitant peut être justement le fait de tomber malade d'une autre maladie, comme je l'évoquais, attraper un lupus, attraper une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, attraper une spondylarthrite ankylosante, vous voyez, des grosses maladies. Ça peut être le truc qui va déclencher justement la fibromyalgie, ou un choc émotionnel, un choc psychologique. Et après, on va avoir les facteurs d'entretien qui vont être les problèmes dans la vie de tous les jours, le stress lié au travail, les problèmes liés au sommeil, un déconditionnement à l'effort qui va faire qu'après on se retrouve dans un cercle vicieux où la fibromyalgie s'entretient. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de choses qui s'intriquent. Donc on a cet aspect psychologique qui va beaucoup jouer, parce que de toute manière, comme beaucoup de maladies, hein, faut se dire, hein, que ce soit même de l'eczéma, de l'asthme, de la migraine, quand on n'est pas au top, anxiété, stress, déprime, etc., ça joue. Maintenant, il n'y a pas que ça, parce qu'on peut retrouver des patients fibromyalgiques qui n'ont pas forcément une comorbidité psychologique, on va dire, à côté. Il y a justement des hypothèses qui sont évoquées, des hypothèses neurologiques, avec peut-être au niveau du cerveau un phénomène d'hypersensibilité à la douleur, avec en fait le fait d'être très sensible plus que quelqu'un d'autre à la douleur. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a des voies, on va dire, inhibitrices qui sont censées calmer les phénomènes de douleur, qui marcheraient moins bien. Donc ça, c'est une hypothèse qui est mise en cause, qui est explorée dans, voilà, il y a des études neurologiques. On peut avoir peut-être l'hypothèse aussi de lésions nerveuses en périphérie au niveau des fibres nerveuses. Ça, c'est les hypothèses neurologiques. Attendez, j'avais mis un papier ici. Voilà, des ordres neurologiques centrales. Donc voilà, des ordres neurologiques périphériques. Donc ça, c'est les hypothèses plutôt neuro. Après, on peut avoir peut-être, à évoquer, qui sont évoqués, troubles neuro-endocrines. Donc tout ce qui est hormones.
D'accord, lié au cortisol, etc. Tout ça qui serait déréglé peut-être lié à un choc psychologique. C'est des hypothèses, ce n'est pas des choses, je vous dis, qui sont confirmées. Et comme je vous ai dit, c'est des choses qui s'intriquent entre, comme j'ai dit, facteurs prédisposants, précipitants, entretien. Certaines anomalies génétiques, peut-être que dans certaines familles, on aurait plus de cas de fibromyalgie, avec des anomalies génétiques qui toucheraient en fait les neuromédiateurs. Donc certaines substances qui passent entre deux neurones et qui permettent voilà, de créer des réponses justement à la douleur, etc. Bon, tout ce qui est psychologique, j'ai dit. Carence, terrain de carence, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Carence vitamine D, magnésium, hormones thyroïdiennes, œstrogènes. Enfin bref, on est plein d'hormones, on est gorgé d'hormones. Peut-être qu'un terrain de carence ne suffirait pas à expliquer la maladie, mais pourrait être un terrain prédisposant. Hein, auquel vous vous mettez donc le terrain de quelqu'un qui est carencé en ça, auquel vous ajoutez un stress ou un choc psychologique, auquel vous ajoutez des mauvaises conditions de vie liées au sommeil, à l'effort physique, au stress en général, et paf, voilà, ça sort. Des histoires de médicaments, enfin bref, tout ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement, une fois mélangées dans le mixeur, provoquer la maladie. Donc ça, on était sur les causes, malgré tout, bon, il n'y a pas de cause vraiment identifiée, et voilà, on va s'arrêter là. Et l'important de savoir, c'est bah, une fois que la fibromyalgie est là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on arrive du coup sur la partie traitement. Comment soigner la fibromyalgie? Voilà, très compliqué. Très compliqué de soigner la fibromyalgie. Ceux qui sont atteints de cette maladie, vous pouvez en témoigner en commentaire. C'est très difficile de soulager les douleurs. Donc, les traitements classiques, antidouleurs classiques, hein, paracétamol, anti-inflammatoire. Sont pas forcément très efficaces et qui plus est, il n'y a aucun intérêt, enfin il n'y a aucun intérêt, c'est très mauvais pour la santé d'en prendre tout le temps pendant des années. Alors n'en parlons pas de ceux qui sont au-dessus, comme les médicaments comme le tramadol, même si ça peut potentiellement être efficace. J'ai déjà fait une vidéo sur tramadol, qui est quand même un dérivé des opiacés, qui soumet, enfin qui provoque des dépendances, des phénomènes de sevrage, etc. C'est pas une bonne idée aussi. Voilà, ne parlons pas des morphiniques, etc. Bon. Enfin bref, vous voyez que du coup, on est quand même assez limité. On a un problème de douleur chronique. On a des traitements qui peuvent soulager parfois les douleurs, mais est-ce qu'on peut les utiliser tout le temps? On ne peut pas les utiliser tout le temps. Du coup, à côté de ça, est-ce qu'on a d'autres alternatives en termes de médicaments? Alors, il y a des médicaments qui peuvent être utilisés dans la fibromyalgie. Il y a des études sur le sujet. Bon, ça reste, on va dire, à poursuivre. C'est-à-dire, on peut le mettre. Si certaines personnes, on va trouver un bénéfice. C'est des médicaments de la famille des antidépresseurs. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, les antidépresseurs, en vous disant que bah voilà, le nom parfois n'était pas adapté parce que antidépresseurs, il y a des familles d'antidépresseurs qui marchent bien sur certaines douleurs, en particulier la fibromyalgie, avec un médicament assez connu qu'on appelle la duloxétine. Et il y en a un autre, je l'avais noté, je ne sais plus. Alors attendez 2 secondes, j'ai essayé de le retrouver, je l'ai mis où celui-là. Minalcipran. Bon, j'avoue que moi je ne le connaissais pas. Ça fait partie de la famille des antidépresseurs qu'on appelle inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Voilà. Il y a des études qui s'arrêtent sur le sujet. C'est un médicament de la famille des antidépresseurs, mais finalement cousin de la duloxétine qui est beaucoup plus fréquemment utilisée et qui montre chez certaines personnes une efficacité dans le cadre du soulagement des douleurs. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va marcher tout le temps, etc. Est-ce que ça va marcher tout le monde? Bah forcément, vous imaginez bien que c'est plus compliqué que ça. Sinon, ce serait simple, on aurait une maladie, on aurait un médicament, et puis basta. Donc, quel va être le traitement de la fibromyalgie? Bah, finalement, en tout cas pour moi, mais beaucoup d'autres se rejoindront sur le sujet, c'est que principal traitement quand même de ce problème de santé chronique, ça reste un traitement non médicamenteux qui va associer beaucoup de choses. Déjà, je pense que la psychothérapie est obligatoire pour moi. On ne peut pas avoir une fibromyalgie et ne pas avoir de suivi psychologique parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui s'intriquent, parfois des choses assez ancrées, profondes, des traumatismes anciens, parfois des histoires d'abus, parfois des histoires de violence, parfois des histoires. Les traumatismes peuvent être tellement variés que je ne saurais pas tous les citer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sur lesquels il faut travailler, et puis des choses liées aussi aux angoisses, à l'anxiété, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc,
important pour moi d'avoir ce suivi psychologique. Déjà, un, pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment, mais aussi pour gérer au quotidien, dans la vie de tous les jours, les conséquences liées au phénomène de douleur chronique. Tout le temps avoir mal, ça déprime. Donc, c'est aussi important d'avoir donc, ce suivi psychologique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Je ne parle pas de psychiatre, hein, je parle de psychologue, même si le psychiatre peut faire de psychothérapie, etc. Vraiment, là, on est sur le cadre d'un suivi qui me semble être important pour aider le patient dans sa maladie. Après, quelque chose de très important, mais ça, je le mettrai dans beaucoup de maladies, pour moi, c'est indispensable, mais vraiment, je viens dessus, c'est l'exercice physique. L'activité physique, se remettre à une activité physique, au sport, en ayant mal beaucoup, et souvent, vous allez vous déconditionner physiquement, on va entrer dans un cercle vicieux, vous allez avoir encore plus mal, parce que vous faites moins d'efforts, votre corps va, entre guillemets, fondre, hein, c'est ça, hein. Donc, il faut l'entretenir, il faut faire du sport. Le sport, ça va vous faire du bien physiquement, ça va vous faire du bien mentalement. Qui plus est, si vous faites du sport avec d'autres personnes, il y a ce côté aussi social. Donc, l'activité physique, pour moi, est très importante et indispensable dans la prise en charge de quelqu'un qui est atteint de fibromyalgie. Donc, voilà, activité physique. Après, je crois que j'ai mis des petites notes, mais bon, au niveau de traitement, ça devrait être bon. Ensuite, tout ce qui est, évidemment, techniques de relaxation. Ça, les techniques sont assez diverses, mais il y en a quand même, par exemple, une sur laquelle je veux m'arrêter, que je suis en train, on va dire, d'étudier, je lis beaucoup de choses dessus, c'est la méditation. J'ai pas le livre que je lis en ce moment sur la méditation, mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je ferai un débrief dessus. La méditation peut être une manière aussi de soulager les douleurs. Il y a beaucoup de techniques, comme par exemple les techniques de scan corporel qu'on appelle, qui permettent en fait aussi de dissocier le côté, comment je vais trouver les mots, c'est-à-dire que la douleur, on a le signal de la douleur qui va au cerveau, et on a le cerveau, comment il interprète la douleur aussi. Et c'est ce comment il interprète la douleur sur lequel on peut jouer pour essayer d'apaiser nos douleurs. Je donne un exemple pour imaginer un petit peu mes propos. Vous êtes dans la douche, vous sentez un truc bizarre qui vous caresse les pieds, vous voyez un truc noir, vous regardez et ah, vous sursautez, vous criez, ouais, c'est une araignée, et votre pied, vous le retirez directement. D'accord ? Parce que vous avez eu le signal, le cerveau l'a interprété en mode c'est une araignée, ça a été très désagréable. Maintenant, imaginez qu'en fait, vous attardez sur ce que c'est, vous voyez qu'en fait, c'est vos cheveux. C'est une touffe de cheveux, un peu, voilà, bof, qui est restée dans le fond de la douche et qui vous caresse un peu les orteils. Vous dites, ah, ok. Et finalement, votre corps ressent la même sensation, mais votre cerveau l'interprète d'une manière différente. Et au final, la sensation qui était initialement très désagréable devient un genre de chatouillis. C'est à peu près la même chose. Donc, il y a des techniques de méditation qui permettent de travailler là-dessus, sur dissocier la composante douleur, la composante interprétation au niveau du cerveau. Et au-delà de ces techniques un peu de scan corporel, etc., il y a la méditation en soi qui permet juste de soulager aussi peut-être les symptômes associés à la fibromyalgie, comme l'anxiété, dépression, etc. Et puis, s'apaiser, se calmer, etc. Donc évidemment, il y a d'autres techniques que je ne saurais pas forcément bien expliquer qui peuvent entrer en jeu, comme la sophrologie, d'autres techniques de relaxation. L'hypnose peut être aussi une alternative intéressante, pourquoi pas, à essayer chez certaines personnes, l'hypnose médicale, pour calmer les douleurs chroniques. Donc voilà, je reviens sur le côté psychologue, parce que je n'ai pas parlé de certaines thérapies qu'on dit les thérapies cognitivo-comportementales, qui peuvent être intéressantes aussi pour travailler dessus. Là, je regarde un petit peu mes notes. Le biofeedback, neurobiofeedback. Biofeedback est une technique, en fait, pour, comment dire, mieux connecter l'esprit à son corps, dans le sens où on met en évidence une douleur, quelque chose qui se passe au niveau du corps. On en prend conscience et on essaye d'avoir une réponse à ce stimuli pour essayer de mieux le contrôler. C'est peut-être un petit peu compliqué comme ça à essayer, à expliquer. Je ne suis pas spécialiste du sujet, peut-être qu'un jour ce serait intéressant que je fasse une vidéo avec quelqu'un qui pratique ce genre de méthode pour mieux l'expliquer. Mais en tout cas, vous comprenez que j'ai évoqué rapidement les traitements, les médicaments, mais qu'en fait, l'essentiel finalement du traitement de la fibromyalgie, il est non médicamenté plutôt. Donc voilà, je regarde un peu parce que j'avais noté beaucoup de choses. J'ai noté beaucoup de choses, mais je pense avoir dit l'essentiel. Voilà un petit peu, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu c'est quoi la fibromyalgie, comment ça se manifeste, ça concerne qui, quelles sont peut-être les causes qui peuvent l'évoquer, comment on fait, enfin, le provoquer, comment on fait les diagnostics, et puis finalement, comment justement
soigner ce problème de santé, d'accord, et toutes les techniques un petit peu non médicamenteuses qui sont finalement celles à mettre en place au quotidien pour essayer de soulager, avec évidemment, j'en ai pas parlé, mais tout ce qui est hygiène de vie de base, avec les règles liées au sommeil, à l'alimentation, aux activités, bon, j'ai parlé d'activité physique, mais activité physique, activité sociale, voilà, beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas aussi en commentaire à partager peut-être votre vécu par rapport aux problèmes de santé, la maladie, à donner des choses qui vous ont soulagé, ça pourra aider sûrement d'autres personnes. Et puis, sur ce, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.